Bonjour, c'est bon dimanche, nous sommes le troisième dimanche de Pâques où le Seigneur vient nous dire de ne craignez pas, je suis avec vous, je ne suis pas un fantôme et le Seigneur nous rejoint sur notre route. Je voudrais vous parler avec beaucoup d'émotion et aussi de conviction de Vincent Lambert puisque il est prévu qu'on arrête son traitement, qui est un traitement simple, qui est un traitement qui consiste naturel à alimenter un être humain avec de l'eau et de la nourriture. Et pour des raisons qui n'en sont pas, on voudrait donc supprimer ce traitement qui est à la base de la dignité, du respect de toute personne humaine depuis sa conception jusqu'à sa fin. Nous avons eu la visite du président de la République aux Bernardins qui nous a rappelé justement la qualité du christianisme, je dirais, dans cette relation transcendante avec cette histoire du salut aussi qui nous engage tous pour que le plus faible, le plus démuni ne soit jamais oublié dans notre société. Et j'en profite justement pour rappeler ce devoir que nous avons de défendre la vie. Nous avons eu il y a peu de temps un homme extraordinaire, le colonel Beltrame, qui a donné sa vie pour que d'autres l'aient. Eh bien, je salue le courage des parents de Vincent Lambert qui luttent pied à pied pour sauver la vie de leur enfant. Et quand on sauve un être humain, on sauve l'humanité. C'est dans ce sens que le pape François lui-même a demandé qu'on retire du catéchisme de l'Église catholique toute possibilité de tuer un être humain. Même pour des raisons de justice, on essaye de sauver cette vie en lui permettant justement de se reconstruire. Eh bien, vous voyez, l'Église est tout à fait à sa place, celle que le Seigneur nous a demandé d'être ferment, humble, mais un ferment, le sel de la terre aussi, comme un ferment dans la pâte humaine, que pour rappeler, en ce temps pascal, où le Seigneur a donné sa vie pour que nous ayons la vie, qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Faisons passer le message, la signature pour la pétition pour Vincent Lambert. Prions pour la France aussi, confrontée aux états généraux de la bioéthique. Prions pour cette famille Lambert, pour Pierre et Viviane Lambert, parents courageux. Bon dimanche.